tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc je viens vous montrer ma collection que j'ai, de Karen Meyer, une illustratrice que j'adore, que je kiffe, et donc je me suis empressée d'acheter ces livres. Alors moi, à l'époque, ils étaient à petit prix, hein, ils étaient à moins de 10 euros, et on va dire entre 7 et 8 euros. Là maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas regardé du tout le lien, donc c'est tout sur Amazon que je les ai achetés. Donc, vous avez des séries. Alors, je vais vous les présenter un petit peu succinctement ici. Et je vous ferai des vidéos individuelles pour vous les présenter à la suite. Donc, vous aurez cette vidéo et vous aurez la suite d'un des livres. Alors, j'ai les trois livres de Noël. Donc, voilà, ils se présentent comme ceci. Je ne vous les présente pas plus parce qu'on va les regarder ensemble plus après... Voilà, donc vous avez toujours, ces livres sont vraiment illustrés, vraiment pareil. Hein, alors, c'est peut-être gros au niveau des traits ou tout ça, mais moi, j'aime beaucoup. Après, j'aime pas toutes les illustrations, hein, faut pas non plus se leurrer. Hein, un livre, on n'aime pas tout à 100%, mais je trouve que, voilà, là, c'est pas mal, quoi. Là, je crois que c'est, je sais pas lequel c'est son dernier, coloring, aventure, book... Oui, ça doit être celui-ci. Celui-ci, c'est son dernier, là. C'est celui qu'elle a sorti l'année passée. Et donc, vraiment, voilà. J'ai craqué, franchement, dessus. Et je suis tombée par hasard sur Amazon, sur cette illustratrice. Et j'ai craqué. J'en ai commandé un. Et finalement, dans la foulée, j'ai tout pris. Donc, petit à petit, hein. Voilà. Donc, vraiment magnifique au niveau de sa pâte pour Noël. Vous avez ensuite une série où il y a... tous les Ukana, Mystical Land Ukana. Donc, vous avez le 1, le 2 et le 3. Voilà. Donc, pareil, au niveau des traits, vous voyez, vous avez des traits très fins, des traits moins fins. Vous avez des petits motifs. Vous avez des motifs un peu plus grossiers. Après, voilà, c'est vraiment... vous voyez, hein, celui-ci est vraiment magnifique. Enfin, bon... C'est vraiment un univers tout à fait différent de ce que l'on voit habituellement. C'est vraiment du mystique, hein. C'est vraiment... voilà. Comme je vous dis, les champignons, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, comme ça. Mais bon, ça, c'est le choix de... Moi, ça, c'est mon choix. Et franchement, j'adore. Donc, pareil, dans ces livres-là, vous avez trois livres, c'est-à-dire... trois livres, n'importe quoi. Vous avez des doubles, donc ce qui est très, très bien. Ça, vous en loupez un, vous avez un double, vous savez que vous pouvez le faire, celui-ci, je l'adore, voyez. Donc, vous avez toujours, dans ces livres-là, vous avez toujours une page de présentation, ainsi que, vous voyez, là, c'est plus grossier, là. Là, vous voyez, ça, j'aime un petit peu moins, mais bon. Vous avez toujours une île, comme on dit, une île, et puis sur l'île, vous allez retrouver différents endroits ici, vous allez les retrouver dans ce livre-là. Donc, ça va vous permettre de voyager à travers ce livre. Ensuite, donc, comme vous pouvez voir, à la fin, vous avez donc les livres qu'il y a dans ces collections. Hein. Donc, vous avez le numéro, ensuite, vous avez le Mystical Land Kelwish. Donc, vous en avez toujours trois aussi. Donc, c'est toujours par trois pour l'instant. Après, je ne sais pas si elle en ressortira ou pas, si elle va en ressortir. Donc, je sais que j'en ai fait un. Alors, je vais essayer de vous le trouver. Parce que même si je vous le présente, hein, c'est pas grave. Donc, celui-ci, voilà, la main page, tout ça. Vous avez les color tests. Donc, déjà, c'est déjà bien par rapport aux premières pages. Vous avez vraiment, voilà, la grande carte, hein, qui est principale pour les trois livres. Et vous avez ensuite... Alors, moi, j'en ai fait un. C'est dans lequel que j'ai fait quelque chose. Ah, bah alors, si je ne le retrouve pas... Ouais, c'est là-dedans. Donc, voilà. Vous en avez trois. Donc, pareil, hein, vraiment un univers vraiment spécial. Que vous allez retrouver à la suite de ces vidéos-là que je vais vous présenter, parce que franchement, il faut que je vous les présente, parce que voilà, c'est quelque chose que si vous ne connaissez pas, ben, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un univers vraiment spécial. Mais, et là, dedans, donc ça, c'était mon premier que j'avais acheté, et je me suis fait les champignons. Voilà, donc après, il y a des ratés, hein, je peux vous dire, voilà, c'était vraiment un essai que je faisais sur ce colo, mais je me dis, c'est pas grave, parce qu'au moins, j'aurai derrière à le faire. Je voulais faire de la brume, tout ça. Là, j'utilisais mes néocolores ou des... Non, c'était peut-être
les dupes des gélatos. Et donc, ben voilà, donc il y a eu des ratés, mais c'est pas grave, ce livre c'est fait pour. Donc, c'est du papier Amazon, pardon, c'est du papier Amazon que vous avez. Bon, ça va, il est épais, hein, vous voyez, là j'ai quand même mouillé un petit peu, ben voilà, ça résiste, hein, ça traverse, mais vous pouvez aussi faire des aplats de couleurs, comme il y en a qui font, avec des feutres à alcool. Donc, si on regarde bien, voilà, on a la collection. Là, c'est les trois qu'il y a de Cana. Voilà, donc ça, c'est vraiment. Donc, vous en avez trois de Kellwish. Vous en avez trois de Cana. Et vous en avez trois de Noël. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, hein, mais bon, moi, je sais que je vais la suivre. Et s'il faut, je vais me les commander. Bah écoutez, maintenant, ce que je vais faire suite à ces vidéos, donc voilà, vous aurez toujours un aperçu, mais je vais vous les présenter au fur et à mesure. J'espère que ça vous a plu, puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me suivre, et puis voilà, hein, je pense, prenez soin de vous surtout. À bientôt!